Eh bien, chers amis de Francoculture, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue cette semaine et nous recevons un invité encore dans ce studio. Vous savez, votre émission Francoculture, c'est une plateforme de causerie. C'est rien de formel, c'est une causerie entre amis pour les francophones et les francophiles qui vivent aux États-Unis. Et nous sommes également là aujourd'hui parce que nous avons une personne donc, et qui profite donc, de l'usage de cette langue, cette belle langue, la langue française. Cette personne elle est venue ici dans ce studio pour animer cette causerie-là avec nous. Vous allez être très, très surpris, vous allez être très content à la fois parce que c'est une fierté. C'est une fierté africaine, c'est une fierté de la beauté africaine qui représente vraiment le continent africain dans le monde et qui est de passage aux États-Unis pour ses vacances. Et nous avons eu la chance donc, d'entrer en contact avec elle et elle a dit oui pour venir ici à New York et spécialement pour venir nous visiter. Pour venir vous permettre de vivre cette expérience magnifique qu'elle a eue et donc dans sa carrière. Je voudrais vous présenter, donc, et sans plus tarder, et Mademoiselle Yarol Ango. Mademoiselle Yarol Ango, donc, qui est détentrice de la couronne de la beauté, qui est Miss Bénin France Europe 2015. D'ailleurs, la première édition donc, de ce concours qui a été initié et par certains amis béninois en France. Donc, elle est actuellement aux États-Unis. Après Washington, elle a fait un tour à New York pour juste une partie de plaisir. Et elle est venue ici, donc, dans ce studio. Yarol Ango est avec moi dans ce studio. Vous allez la découvrir dans un instant. Et je te souhaite la bienvenue. Yarol, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Yarol Ango, j'ai 19 ans. Je vis à Paris avec mes parents et effectivement, je suis de passage ici aux États-Unis, non seulement pour mes vacances, mais aussi pour rencontrer la communauté béninoise qui vit ici. Alors, dis-moi, Yarol, est-ce que depuis que tu es arrivé, je sais que tu as fait le déplacement depuis Washington mm-hmm. vers ici, et ce jour même, est-ce que tu as rencontré des Béninois à Washington, D.C.? Oui, bien sûr. Le lendemain après mon voyage, ma tante m'a conduit directement à l'ambassade du Bénin. J'ai rencontré les autorités de là-bas qui étaient très accueillants. Puis par la suite, j'ai également été à une fête, on va dire, de beaucoup de Béninois. Et j'ai également eu la chance d'être interviewée par une association appelée Bénin Info Portail. Et oui, tout s'est très bien passé. Alors quel est ton sentiment quand tu as vu tes compatriotes à Washington D.C.? Quel est le sentiment que tu as après avoir échangé avec eux? Sentiment de joie parce que l'accueil était très chaleureux et j'avais plein de questions de part et d'autre, il y avait beaucoup d'échanges et ça s'est très 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 bien passé. Alors nous allons rapidement entrer puisque tout le monde, on te voit sur les toiles, on a vu tes merveilleuses photos que tu as postées, des photos et avant même l'événement de Miss et Bénin France Europe, mm-hmm. même les photos après et tout ça. Oui. Je trouve que tu mérites bien ta couronne puisque et tu es très belle, merci ça beaucoup. Il faut le dire très haut et fort. Et ça, là, tu peux être fière de ça. Alors, je voudrais que tu nous parles un peu de toi, et puisque tu es béninoise, mm-hmm. depuis Cotonou et jusqu'en France. Raconte-moi un peu ton histoire, ton cursus, avant que tu n'arrives en France. Alors, j'ai toujours vécu à Cotonou. J'étais née là-bas. J'ai grandi, j'ai fréquenté le CSP, le collège protestant CSP, de la maternelle jusqu'en troisième. Puis après l'obtention de mon brevet, j'ai rejoint papa en France. Donc, avec ma famille, ma mère et mes petites sœurs, et voilà. Alors, donc, tu as continué ton éducation en France. Et alors, qu'est-ce que tu as étudié en France?
Arrivée en France, j'ai continué en seconde. J'ai fréquenté un lycée professionnel de gestion et administration parce que j'ai une tante qui travaille à la BCAO, qui est comptable. Donc en voulant suivre ses pas, je me suis dit pourquoi pas. Qui aime les sous, il faut faire beaucoup de calculs. Donc je me suis dit pourquoi ne pas m'inscrire dans un lycée professionnel directement que de passer par un lycée général, puis après faire un BTS. Donc arrivée en France, je me suis inscrite dans un lycée professionnel de gestion et administration. Puis après l'obtention de mon baccalauréat professionnel, j'ai commencé en BTS et actuellement je suis en deuxième année de BTS comptabilité et gestion. Alors d'abord, je voudrais, et avant la prochaine question, d'abord dire merci et féliciter tous les organisateurs donc, de l'événement et Miss Bénin France Europe pour avoir mis en place cette initiative quand même qui a pour quand même ambition de valoriser et la beauté béninoise en Europe et en France en particulier. Et c'est une belle initiative, je vous dis félicitations. Alors dis-moi un peu, Mademoiselle Ango, comment tu as eu et vent de cet événement-là et qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ça? D'accord. Je me baladais comme ça un jour sur Facebook et Miss Bénin France Europe, c'était la première édition, ils ont créé une page Facebook et je suis tombée dessus comme ça par hasard. J'en ai parlé aux parents, j'en ai parlé à ma petite sœur qui me motivait. Puis depuis Cotonou, j'ai reçu un coup de fil d'une amie aussi qui m'a dit « Ah, Yarol, tu pourrais être intéressée par ce genre de choses vu que tu aimes la mode et tout ce qui a rapport. » J'en ai parlé aux parents, on a discuté, ils m'ont dit « Pourquoi ne pas tenter ma chance ?» Du coup, j'ai envoyé une lettre de candidature. Et j'ai reçu un mail de retour, ils nous ont convoqués pour un casting. On était au nombre d'une vingtaine de candidates. Puis lors du casting, on a rencontré le comité d'organisation et beaucoup d'autres personnes, certains partenaires aussi. Puis on est passé devant quelques membres du jury et on a donné nos motivations, on a fait quelques défilés en robe et en maillot de bain. Puis par la suite, ils nous ont dit qu'ils allaient nous recontacter pour nous dire qui était ou pas sélectionné. Du coup, quelques jours après, j'ai reçu un mail me disant que j'étais sélectionnée. Puis on s'est retrouvés, je crois, deux semaines après pour commencer les répétitions qui ont duré de mars jusqu'à mai. Et on allait aux répétitions tous les dimanches qui débutaient de 10h à 18h ou 19h. Et en première partie, on avait un coach qui nous apprenait les chorégraphies de danse traditionnelle parce que le jour de l'événement, on a commencé par une choré de groupe en traditionnel. Puis on avait un petit break de midi à 13h et ensuite on entamait directement avec notre coach Sean Olison qui a été première noire Miss Californie 1999 et 2000 qui nous apprenait à défiler sur différents morceaux des artistes béninois qu'on devait exécuter le jour de l'événement. Ben ça, c'est une merveilleuse expérience. Oui. Alors, en frottant, donc, en participant à cette expérience de pré-concours Miss, tu as rencontré d'autres candidates et tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette collaboration-là avec les autres candidates et pendant la période pré-Miss? Personnellement, vu que j'ai grandi à Cotonou, je connais beaucoup de choses, beaucoup de choses béninoises. Et en rencontrant d'autres candidates, il y en avait une qui venait de Cotonou, d'autres qui étaient nées en France. Et on échangeait beaucoup de choses, d'autres qui ne savaient pas, d'autres qui savaient. Puis on avait un grand échange. On essayait de s'entraider, de parler entre nous, de découvrir beaucoup de choses. Et il y avait une très très bonne harmonie au sein de nous. Donc tout s'est très bien passé du début jusqu'à la fin. Super! Alors, donc, je voudrais aussi que tu nous parles un peu, puisque beaucoup de gens ne le savent pas, quand même, que et l'une de tes sources d'inspiration et quand même qui te motive dans ce milieu de la mode, dans ce milieu de la beauté, c'est il y a quand même ton géniteur, ton père, qui est super modèle, qui défile pour Gucci en Italie. Oui. Alors, et comment il voit tout ça? Quel est son avis par rapport à tout ça? Dis-moi. Comme vous l'avez dit, papa, c'est ma source d'inspiration. Et comme on le dit chez nous, je suis en quelque sorte ses pas. Donc quand je lui ai dit que j'allais participer à l'élection Miss Bénin France Europe au concours de beauté, il n'a pas hésité à m'encourager. Et après l'élection, ils étaient très très fiers de moi, ainsi que maman. Toute la famille était fière de moi. Et papa, il s'est dit pourquoi... Il était content déjà que je fasse comme lui, que j'entre dans le domaine de la mode et jusqu'à aujourd'hui, il me soutient dans tout ce que je fais.
Super. Alors, pour ces jeunes filles-là qui ne connaissent pas l'environnement et donc du concours Miss, puisque tu nous as expliqué un peu le processus, un peu l'ambiance et avant l'événement, et quel est le message que tu peux leur donner pour les motiver à valoriser, parce qu'il y a beaucoup de préjugés oui. au niveau quand même de tout ce qui est Miss, et tu vois, c'est associé à la prostitution, c'est associé à la légèreté, quel est ton avis par rapport à tout ça? Déjà, dans un premier temps, pour toutes celles qui voudront participer à des concours de beauté, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de rester elle-même, d'être naturelle, c'est important. Puis, ne pas seulement se dire qu'il n'y a que la beauté qui compte, non, il y a le mental aussi. Il faut vraiment avoir beaucoup de choses dans le cerveau en voulant participer à ce genre de concours. Parce que certes, tu es belle, tu es beau, tu es élue pour un concours de beauté, mais il faut savoir aussi que tu le fais pour apporter un soutien à ton pays. Il faut avoir des projets dans la tête pour pouvoir aider le pays à se développer. Donc, ce n'est pas que la beauté, en non. fait. Donc, c'est d'abord, c'est aussi ce que tu as dans la tête. Exactement. Alors, parle-nous un peu du projet que tu as défendu et qui a attiré l'attention des juges. Alors, en créant l'événement Miss Bénin France Europe, le comité avait pour projet la lutte contre le cancer de Burundi. Donc, ma motivation, mis à part la promotion de la beauté de l'intelligence de la femme béninoise ainsi que de la culture du Bénin à l'extérieur, je m'étais engagée à aider les enfants parce que les victimes de cette maladie sont les femmes et surtout les enfants de moins de 15 ans. Donc, moi, mon projet avec le comité, c'était de me focaliser sur leur réinsertion dans la vie active, sociale et éducative, étant dit qu'ils se sentent marginalisés, étant malades et même après la maladie. Donc, c'était un peu ça avec le comité. Et voilà. Alors, donc, dis-moi, et après le concours, tu as été élue Miss oui. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, et je pense que tu mérites bien cette couronne-là. Merci. Et ça, je crois qu'on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Mais alors, dis-moi un peu comment ça se passe, parce que j'ai lu, et aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes dans une émission et nous faisons une causerie, mais il faudrait quand même que nous puissions dire la réalité. Mm-hmm. J'ai lu dans la presse, sur ton Facebook, un peu sur les pages de tes amis, et que... Après l'événement, et tout ne s'est pas bien passé. Alors, j'ai vu qu'il y avait des histoires de chèques sans provision. J'ai même vu des copies de chèques. J'ai vu qu'il y avait des engagements qui n'ont pas été tenus par les organisateurs. Est-ce que tu peux nous en parler? En effet, oui. Ouais. J'aimerais dire que c'est une très, très belle initiative d'avoir créé l'événement Miss Bénin France Europe. Mais pour moi, si les organisateurs pouvaient mettre un peu plus de sérieux et pousser encore plus loin leurs idées, ce serait idéal. Parce qu'effectivement, beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Malheureusement, et j'ai reçu un chèque dont le compte a été clôturé depuis des années parce que après avoir déposé le chèque, le banquier nous a envoyé une lettre d'incidence pour nous dire que le compte était un faux compte et qu'il a été clôturé depuis des années, des promesses non tenues, des paroles en l'air, et vraiment c'est dommage parce qu'avec un tel événement pour pouvoir faire plus connaître le Bénin à l'extérieur, parce qu'on n'entend pas vraiment parler du Bénin, surtout en France. Et je pense que c'est vraiment dommage de ne pas tenir les promesses, de ne pas être sérieux, et voilà. Alors, je sais que c'est depuis 2015 que le concours a eu lieu. Mm-hmm. Alors, est-ce que depuis 2015, est-ce qu'il y a eu des tentatives de règlement de malentendu qu'il y a eu par rapport à l'après-miss? Qu'est-ce que tu as essayé et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bien avant la fin de mon mandat, on a essayé, mes parents et moi, de contacter le comité d'organisation par le biais du parrain de l'événement, Romain Acosta, qui nous a mis en espérance parce qu'il devait organiser une sorte de réunion entre le comité, mes parents et moi, pour qu'il y ait un terrain d'entente, qu'on puisse tous s'entendre. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que si tout cela avait été fait, j'aurais pu les soutenir lors de leur deuxième édition pour la nouvelle Miss qui a été élue cette année. Mais rien de tout cela n'a été fait. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage de ruiner ce genre de choses, en fait. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre sur cette émission, je suis avec Yarol Ango, qui est Miss Bénin et France Europe 2015, la première édition d'ailleurs de cet événement, qui est un événement à saluer, puisqu'il y a beaucoup de points positifs par rapport
et à l'organisation. Et donc, elle est en train de nous parler un peu de son background, de comment elle est arrivée en France, de comment elle a eu vent donc, de ce concours-là et comment elle est allée jusqu'à gagner. Alors maintenant, elle est en train de voyager un peu partout pour pouvoir installer une organisation. Nous allons en revenir là-dessus. Mais Mademoiselle Ango, je voudrais dire quelque chose, puisque les gens nous suivent et nous sommes au sein des associations. Nous avons beaucoup d'associations qui représentent les Béninois un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Je sais que le parrain de l'événement, et qui a été également parrain pour cette deuxième édition, est aujourd'hui le délégué général du Bureau mondial du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Mm-hmm. Est-ce que vous avez, parce qu'il a comme mission à cette position-là quand même de pouvoir défendre le Béninois un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez pensé le ressaisir maintenant qu'il a encore une nouvelle couronne lui-même en tant que représentant du Bénin à l'extérieur? Malgré toutes nos tentatives passées, on n'a pas eu de suite, on n'a rien eu de positif. Donc je me suis dit, c'était un peu peine perdue de le recontacter ou de vouloir parler avec lui parce qu'il nous a carrément ignorés, on va dire. Il s'en foutait, jusqu'à parrainer la deuxième édition, sachant qu'il y a eu des trucs qui n'ont pas été faits, des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc on a tout laissé comme ça en fait. Malgré toutes nos tentatives, on n'a pas eu de suite, rien de comme on voulait. Du coup, on n'a plus recontacté, on est tous restés comme ça et voilà. Je trouve quand même que c'est dommage parce qu'il occupe un très grand poste. Normalement, il devrait certes soutenir ce genre d'initiative, mais aussi créer des terrains d'entente, qu'on puisse tous entendre entre Béninois. Mais je trouve que c'est un peu dommage, malgré le poste qu'il occupe actuellement. Il aurait pu nous réunir et mettre bas la terre, que tout redevienne comme à la normale. Mais rien de tout ça n'a été fait, donc c'est un peu dommage. Alors, je suis très optimiste de nature. Je crois que ceux qui écoutent cette émission et qui suivent, puisque tu es aux États-Unis, nous avons le Haut Conseil des Béninois aux États-Unis, le délégué général va suivre cette émission-là. Il est interpellé et a parlé quand même à son collègue qui est au niveau du Bureau mondial pour que quand même ça soit un détail et qui affecte un Béninois et que ça soit réglé. C'est très, très important. Donc, c'est un message que moi et que je lance donc à toute la communauté au niveau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Alors, vraiment, et c'est un témoignage que nous entendons de ta part, que toi-même, tu nous dis aujourd'hui. Donc, ça dépassait l'étape d'une rumeur. Oui. Tu es détentrice d'une couronne, tu es l'ambassadrice donc, du Bénin dans le monde. Mm-hmm. Je crois qu'on te donne du crédit et c'est dommage que ce qui est arrivé soit arrivé. Mm-hmm. Alors, donc, nous allons espérer que les choses se règlent et on va continuer. Maintenant, sur quel projet tu travailles avec? Je sais que quand on est élu Miss, on est investi d'une mission. Alors, sur quel projet tu travailles actuellement et comment ça se passe? Déjà, vu que j'étais élu Miss, je devrais travailler avec le comité, toujours concernant la lutte contre l'UCL de Burundi. Parce qu'après le voyage effectué en décembre, on devait retourner à Cotonou, toujours pour rencontrer ces malades et leur apporter de l'aide, ce qui n'a pas été fait. Et heureusement, la mise est élue cette année, elle a pris la relève. Donc personnellement, mon projet à moi, c'est de créer une ONG et pouvoir apporter de l'aide aux enfants démunis qui sont au Bénin actuellement. Alors, en parlant d'enfants démunis, je sais qu'il y a plusieurs aspects de la pauvreté et qu'on peut combler. Alors, quel est l'aspect qui t'intéresse? En particulier, ceux qui sont orphelins ou qui ont eux-mêmes, de leur plein gré, décidé de quitter la maison et de se pavaner, surtout sur le stade de l'amitié de Kourounou. Parce qu'avec les témoignages que j'entends et ce qu'on me dit de gauche à droite, c'est qu'il y a beaucoup de violences qui viennent de leur part, de ces enfants-là, qui n'ont rien à faire. Il y a beaucoup de délinquance et je trouve que c'est un peu dommage. Et personnellement, en créant cette ONG, j'aimerais créer un centre de rééducation pour ces enfants-là, qui puissent apprendre quelque chose et revenir dans la vie sociale, éducative, active, et puissent servir et apporter quelque chose au développement de notre pays. C'est brillant. Moi, je ne peux que t'encourager. Merci. Et je suis sûr que tu vas trouver beaucoup de partenaires, les gens qui t'écoutent, les amis, le réseau qui t'entoure. C'est des choses qu'il faut prendre au sérieux parce qu'un jour, ce sont ces gens-là qui vont t'aider à pousser tes projets. Donc, moi, je ne peux que te souhaiter bonne chance par rapport à tout ce que tu fais. Et moi, j'ai été fier de t'avoir ici en studio. Et c'est la première fois que je reçois d'ailleurs une Miss. Donc, ça restera dans les mémoires de Franco Culture. Et c'est quelque
quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et je voudrais donc finir pour dire, pour en revenir à tes études de comptabilité, où est-ce que tu en es et comment ça se passe? Comment tu gères tout ça? Étant dit que je suis en deuxième année de BTS comptabilité gestion, après l'obtention de mon diplôme, je souhaite continuer en licence comptabilité, contrôle et audit, puis en master 1 et master 2, puis pour devenir plus tard soit experte comptable ou commissaire aux comptes. Alors, en tant que Miss, quand tu retournes à Cotonou, j'allais oublier, alors quel est l'accueil qui t'est réservé? Comment ça se passe? Est-ce que tu te sens, et puisque tu as quitté Cotonou un peu très jeune, tu es retourné avec une couronne, et comment tu te sens? Comment ça se passe là-bas? Accueil très chaleureux, surtout venant de mes amis qui d'ailleurs ne m'appellent plus par mon prénom, mais disent tout le temps Miss. Donc je suis très contente et fière surtout d'avoir porté cette couronne et d'avoir pu représenter mon pays, pas non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Marche. Alors, est-ce qu'il y a des gens que tu as en tête et que tu voulais quand même leur faire un petit coucou depuis New York et tu sais, des gens qui te soutiennent et que tu veux leur donner un peu d'amour ce soir? Oui, bien sûr. Je voudrais faire un petit coucou à ma mère et mes deux petites sœurs qui sont malheureusement restées à Paris et également à papa qui me soutient jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me poussent surtout à aller de l'avant. Donc, merci à tous. Alors, chers amis, donc c'était Yarol Ango dans le studio de MNN ici à New York. Nous sommes à Harlem, ça se passe ici live. Je voudrais vraiment dire merci à vous tous qui nous suivez. Et je voudrais également attirer votre attention sur le fait que nous avons eu déjà des vidéos qui ont déjà plus de 5 000 à 10 000 vues. Ce sont des choses que nous avons commencé récemment. Je crois que c'est une avancée. Je voudrais vous dire merci de regarder nos vidéos sur YouTube. Mais surtout, n'oubliez pas de souscrire à notre page de YouTube. Alors donc, vous savez que Franco Culture, c'est tous les vendredis à 22h30 sur Time Warner Cable, Verizon, RCN. Et vous pouvez également suivre sur MNN.org en sélectionnant le channel 4. Vous pouvez également sur YouTube, il suffit de taper Franco Culture. Nous sommes là. Donc, restez avec nous, restez câblés. Et avec Yarol Ango qui va clôturer donc, cette émission en disant juste un petit dernier mot, Yarol. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. J'y publie beaucoup de choses en rapport avec le Bénin et tout ce que je fais au quotidien. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, mes amis qui sont un peu partout, ainsi que mes parents. Et je vous réserve de bonnes choses. C'était donc la fin de l'émission. Merci beaucoup et à très bientôt, chers amis.